Mesdames et Messieurs, bonjour. Le fil des rencontres aujourd'hui nous conduit à l'histoire de l'Arménie. L'Arménie est le peuple arménien qui a souffert dans sa chair et dans sa mémoire, dans son histoire, avec le génocide euh, qu'il a vécu au début de ce, du siècle passé. Pour parler de cela avec nous, mais pas seulement. Euh, nous recevons aujourd'hui Antoine Bagdikian, qui est le président de l'ANAC, euh, de l'Association des anciens combattants arméniens et président de l'Institut arménien de France. Nous allons évoquer avec lui un, une initiative qu'ils ont décidé d'organiser, un festival important qui aura lieu et se tiendra en 2015. Un festival qui va montrer qu'il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent que la terre d'islam, la terre arabo-musulmane, a été un foyer d'accueil pour les Arméniens qui étaient euh, pourchassés, qui fuyaient le génocide et les massacres et l'oppression euh, lors d'un passage important de leur vie et de leur histoire, ont finalement trouvé refuge chez les musulmans, dans les pays arabes du Moyen-Orient, mais également dans d'autres pays. C'est pour évoquer tout cela et revenir à une conclusion absolument importante, à savoir que c'est avec cette tolérance, avec cet accueil, que l'on peut se soutenir et que l'on peut vivre et coexister pacifiquement ensemble, que je reçois Antoine Bagdikian. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je l'ai présenté aujourd'hui, on ne peut pas évoquer l'histoire de l'Arménie et des Arméniens sans émotion. Euh, dans mon esprit, dans celui de beaucoup de personnes, il n'y a pas de graduation de la souffrance dans la souffrance des peuples à travers l'histoire. Pour moi, la souffrance du génocide premier qui a eu lieu des Indiens d'Amérique et la souffrance du génocide des Arméniens ou du génocide des peuples juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale ou d'autres souffrances d'autres peuples sur cette terre sont égaux parce qu'ils partent d'une seule racine, celle de la haine, celle de de la euh, du refus et du rejet de l'autre. Je voudrais plus vous laisser la parole et vous euh, rappeler si vous le voulez bien à nos téléspectateurs quelle est l'origine du pogrom et des massacres qui ont été perpétrés sur la population arménienne sous l'empire ottoman et non pas en Turquie parce que la, la différence est importante historiquement parlant. Euh, on voudrait en connaître les causes, les origines et les conséquences très rapidement. Merci de me donner la parole, monsieur Matlouti. En fait, on peut considérer que toute cette péninsule qu'on appelle aujourd'hui la Turquie était depuis 4000 ans une péninsule chrétienne. Comme vous le savez, Byzance était installée depuis longtemps, une quantité impressionnante de richesses architecturales. Si, si vous permettez, depuis 2000 ans chrétienne, puisque Jésus n'a que 2000 voilà. ans. Alors ils avaient une longue présence avant et oui. après c'était une présence plutôt chrétienne. Euh, Byzance la chrétienne a été bousculée en l'an 1453 par les tribus euh, seljoukides et ottomanes. Tout ce qui est antérieur est évidemment dû à des chrétiens ou à ceux qui précédaient les chrétiens. Depuis 1453, l'Empire ottoman s'est installé sur cette péninsule et de fil en aiguille ont envahi d'autres pays chrétiens et aussi des pays musulmans. Euh, puisque l'Empire ottoman s'étendait jusqu'en Algérie, en couvrant le Maghreb, en couvrant les Balkans, et cet empire euh, a eu euh, des politiques diverses pour éteindre les velléités de reconnaissance des uns des autres. Alors on peut diviser ça en deux. Il y a eu d'abord les vicissitudes concernant les chrétiens, parce qu'il a fallu, dès que l'Empire ottoman s'est démembré et que les autorités ottomanes ont constaté que le pays avait des chrétiens partout, et que d'autre part, l'Empire ottoman a été ulcéré de voir que les Balkans leur ont infligé des défaites, que les Balkans se sont libérés, Hongrie, Bulgarie, puis la Grèce, ils ont été ulcérés que le monde arabe s'est aussi rebellé. N'oublions pas qu'il a fallu un anglais, Laurence, pour soulever les pays arabes. Et les pays arabes ont aussi payé un lourd tribut à l'Empire Ottoman, puisqu'on a 110 chefs de tribus arabes qui ont été pendus par l'Empire Ottoman. Alors, ça, je dirais qu'il y, y a une solidarité des victimes de l'Empire Ottoman. Si vous permettez, euh, ça, c'est une euh, schématisation d'une période historique quand même très importante, euh, de votre point de vue. Parce que l'histoire, bien évidemment, a des éclairages en fonction du vécu et du point de vue et de chacun comment il voit l'histoire devant sa porte. Euh, bien évidemment, les Ottomans ne partagent pas du tout euh, cette introduction que vous avez faite euh, et ils ont euh, leurs arguments également. Euh, et euh, même au sein même de la communauté musulmane, euh, il y en a également qui ne partagent pas cette vision puisqu'ils disent que c'était le califat et non pas l'empire et que de ce fait, ce n'était pas une velléité turque. Euh, de, euh, de, de, de vouloir avoir une expansion pour leur empire, mais tout simplement euh, l'extension de l'empire musulman et du califat musulman. Ça, c'est un autre débat que nous n'évoquerons pas, mais pour la justesse de l'histoire, je voudrais euh, simplement rappeler aux téléspectateurs qu'il y a deux points de vue de ce côté-là. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est le vôtre, celui euh, de, des Arméniens. Mais une chose me surprend dans ce que vous venez de dire, à savoir que les Turcs n'existaient pas. Euh... Bah, écoutez, le mot Turquie est né en 1923. Il ne faut pas donner le nom de Turc et de Turquie à ce qui est une période où le nom n'existait pas. On n'a pas donné le nom de Turkmenistan en 1923. Mais les Turkmènes représentaient un peuple. C'est un peuple, c'est une variante euh, de ceci. Rappelons que les tribus euh, seljoukides ottomanes sont issues des provinces de Chine. Euh, des, principe, Mongols. des Mongols, qu'en principe le type même de la race aurait dû être un type mongoloïde avec les yeux bridés, et c'est parce qu'il y a eu pendant sept siècles, et ça c'est la vérité. Je, Je préfère dire soi. de, de l'ethnie, pas de la race, parce qu'il y a qu'une race, c'est celle si humaine. voilà. De l'ethnie. <laughs> bah, il faut reconnaître que cette ethnie a totalement changé de visage, M. Matrouki, oui. parce que l'incrustation forcée euh, des enfants mâles arrachés de leur famille chrétienne, qu'elle soient grecque, Arménienne, assyro-chaldéenne ou syriaque, ou des jeunes filles qui complétaient les harems, fait qu'au fil des siècles, la physionomie d'un citoyen turc a changé radicalement. On reconnaît quelquefois le type mongoloïde qui est leur origine, mais ils ont changé même de visage. C'était une intégration forcée, et vous parliez tout à l'heure qu'il peut y avoir plusieurs points de vue, mais ce qui est certain, c'est qu'on a retrouvé nous-mêmes des traces de la Mecque, d'une fatwa émise en 1909 de la Mecque, critiquant violemment le sultan Hamid et rappelant que le massacre des chrétiens est contraire à l'islam, ce qui est une excellente chose, qu'on veut mettre en relief. On a aussi une fatwa écrite en arabe, traduite en anglais, traduite en français, en 1915, où la Mecque accusait Talat Pacha, Enver Pacha et Djemal Pacha, les trois organisateurs du génocide de toutes les populations chrétiennes, et leur disait nommément... Ce sont des mécréants qui trahissent l'islam, parce que l'islam n'a jamais dit qu'il fallait massacrer des populations. Empiriques. Donc si j'ai bien compris, ces pogroms et ces massacres ont pour origine les soubresauts d'un empire moribond. Moribond. Et par la volonté, une volonté ultranationaliste de ceux qui voyaient leur empire se démembrer, l'Algérie a retrouvé son indépendance, le monde arabe a retrouvé son indépendance, là aussi. La pendaison de 110 chefs dont on a retrouvé la trace est un fait historique. Califat ou Empire ottoman, les Arabes ont souffert, ont souffert. Les révoltes en Algérie ont été écrasées dans le sang par le, le baie euh, d'Algérie. Donc ça, on voudrait d'ailleurs faire une brochure. Nous, on a fait une brochure qui rappelle les Arméniens au service de la France. On va en faire une pour qu'il soit écrit tous ces faits historiques incontestables comme un autre sont fête, des Comme un autre fait historique. C'est au moment de la euh, colonisation de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, euh, ils étaient sous l'Empire ottoman. Il n'y a pas eu euh, de, de défense de l'Empire ottoman à ces trois euh, euh, DEIKA et BEIKA de, 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 du califat ottoman parce que c'était d'abord la fin euh, du, du, de l'Empire ottoman et qu'il n'avait pas les moyens de protéger ses propres frontières et ses propres terres, Bien puisque juridiquement et historiquement, cette partie était encore ottomane. Alors il y a un fait historique qui est assez curieux, c'est qu'en 1920, la guerre est terminée, les puissances européennes, anglaises, euh, françaises et autres interviennent euh, à Istanbul, euh, créent un tribunal, tribunal ottoman, et ce tribunal condamne Talat. Enver et Djemal à mort. Ces trois organisateurs du génocide arménien et de toutes les populations chrétiennes fuient en Allemagne. Petit fait historique, là aussi, euh, Talat Pacha, qui était le supérieur hiérarchique en tant que ministre de l'Intérieur, est abattu à Berlin par un justicier arménien du nom de Soromon Telerian. Lequel Soromon Telerian attend la police, le pistolet à la main, et il est jugé par la justice allemande. Et la justice allemande a jugé que les crimes euh, euh, dont Alat était responsable, ou les 25 euh, ou 30 personnes de la famille de Télérian ayant tous été assassinés, ce pauvre gamin orphelin s'est retrouvé tout seul, que les souffrances de Télérian étaient telles que la justice allemande a relâché Télérian en lui donnant des circonstances atténuantes et il a été libéré. Et d'ailleurs, il a quitté l'Allemagne, il est allé au Maroc, à Casablanca, et de Casablanca, il est allé au Fresno, aux États-Unis, où il repose actuellement. Donc euh, la justice allemande a reconnu les faits euh, et les circonstances. – Avant, avant, avant qu euh, que l'Allemagne ne devienne nazie. – Avant que l'Allemagne devienne bien, nazie, bien évidemment. Alors, c'est quoi le, le prétexte ou les justifications données par les responsables de cette époque, ces trois pachas, euh, pour euh, opprimer, pogromer les Arméniens Qu'est-ce qu'on leur reprochait Parce que beaucoup de gens entendent parler euh, du, du pogrom et du génocide arménien, mais très sincèrement, en prévision de notre émission, j'ai posé la question autour de moi, très peu de gens savent pourquoi bah, euh, L'explication pour les Arméniens, mais pour toutes les autres populations chrétiennes, euh, est simple. Ces populations chrétiennes constituaient une immense élite de l'Empire ottoman. Par exemple, en 1915, euh, au moment où ce triumvirat a décrété le génocide arménien, 15 députés arméniens étaient au Parlement ottoman. 15. Ministres du Trésor, ministres du Théâtre, de la Culture étaient d'origine arménienne. Alors quand vous avez une fièvre ultranationaliste qui consiste à dire euh, notre empire se démembre, euh, que tous les territoires se perdent, et que pour aller un peu plus à l'est, dans ce fameux pays qu'ils ont baptisé le Touran, le Touran est un pays qui commence à Istanbul et qui se termine en Chine. Pour reconstituer ce pan pantouranisme et reconstituer un pays là-dessus, eh il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui sont là, avec des postes de responsabilité et qui ne sont pas du cru musulman sunnite tel que les Turcs l'ont insufflé à l'époque. – Ni peut-être même d'accord avec ce projet. – Non, pas du tout. Alors, il a fallu, et c'est l'ultranationalisme turc, c'est pour ça que euh, le, le gouvernement euh, Union et Progrès des Jeunes Turcs, puisqu'ils se sont appelés Jeunes Turcs, Yéid Turk, euh, le gouvernement des Jeunes Turcs a décrété qu'il fallait euh, supprimer ces populations et ça a été la première entreprise, le premier ethnocide, donc s'est inspiré Hitler pour faire le sien. Ou lui aussi s'est inspiré du modèle. D'ailleurs, quand Hitler est arrivé au pouvoir, et quand il a subi les protestations des uns et des autres en disant encore, vous voulez génocider les juifs, mais les juifs occupent aussi des positions dominantes. Hitler a dit Qui se souvient du massacre des Arméniens Le mot génocide, M. Matlouti, n'existait pas. Le mot génocide a été inventé en 1948 par un euh, juif euh, qui au moment de Nuremberg, a dit qu'on ne peut pas utiliser le mot massacre. Il fallait lui rappeler que le massacre prémédité de tout un peuple, il a inventé le mot génocide. Raphaël Lemkin, il a inventé le mot génocide en s'inspirant du modèle arménien. – D'ailleurs, vous vous êtes battu, vous aussi, militant arménien, euh, en France, pour faire admettre et accepter le terme et, et la reconnaissance Absolument. historique en utilisant le mot génocide arménien. Génocide arménien. Ce qui n'a pas été sans quelques remous dans euh, certains représentants de la communauté juive au départ, parce que le mot génocide, ils estimaient qu'il revenait au massacre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais par contre, si certains euh, Juifs étaient un peu exaspérés, euh, qu'il y ait d'autres génocides. Parce que c'est vrai que le leur... Et d'une dimension exceptionnelle. Tout à fait. Ce que les Arméniens ne contestent pas. Nous, on peut leur dire que les essences des génocides, que ce soit le génocide des Arméniens, le génocide des Cambodgiens. Des Amérindiens. Euh, des Amérindiens. Les voilà, de Sauf Tout à fait. Mais Raphaël Emkin. Et au juif, nom du Christ, les Amérindiens. Christ, tout à fait. A décrété que soumettre un peuple à des conditions telles que ça mène à la mort ou supprimer tout ou partie d'un peuple, il y a toute une définition à l'ONU qui entre Très exactement dans la description du crime de génocide. Fait que tous ces pays peuvent afficher génocide. Mais il faut reconnaître que parmi les Juifs, nous avons eu de grands Juifs. Par exemple, je voudrais citer Henri Morgenthau, ambassadeur des États-Unis dans l'Empire Ottoman, de confession juive. Henri Morgenthau, quand il a vu autour de lui le massacre des populations chrétiennes, il a demandé à Talat Écoutez, moi je vous achète la survie de village arménien. De sa poche, cet ambassadeur des États-Unis de confession juive, Henri Morgenthau, a acheté la survie d'Arméniens. Et Talat lui a dit une sentence qui est abominable Mais pourquoi vous dépensez tout cet argent De toute façon, bientôt, il n'y aura plus d'Arméniens. Nous les aurons totalement éliminés. Voilà. C'est euh, sur ces propos horribles que nous allons terminer cette première partie de notre rencontre et évoquer dans la prochaine, si vous le voulez bien. La fuite des Arméniens, l'accueil des pays limitrophes et des pays arabo musulmans euh, pour euh, les victimes arméniennes, mais également euh, ce qu'on peut en tirer comme le sens de coexistence parfaite, réelle entre chrétiens et musulmans. Merci et à la prochaine émission. Merci, Monsieur Merci. M.